Une foule énorme s'était réunie pour accueillir les musiciens, réunis autour de la fête de la musique à l'occasion du festival aux arts, etc. de Cannes. Nos cours, les premiers cours c'est en 98 avec Nordine Bouali, c'était à Lazac et ensuite avec Sylvain Berthe au Centre Culturel. Il y a du talent à Carvin, c'est dingue quand même. Ouais. D'ailleurs on remercie beaucoup le Centre Culturel, le Centre Eiffel. Ah ouais, ouais. Franchement l'association Carvin Culture, géniale. Voilà. On apprécie, en tout cas là, nous ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ici pour le festival, hein, parce que vous êtes au courant quand même, c'est le festival aux arts, etc. Tout le monde en parle. Et, en tout cas, on espère que ça continuera à grimper assez haut pour vous, hein, parce que vous le méritez. Et il y a beaucoup de talent chez vous. Ah bah c'est vraiment gentil. Et j'espère que vous allez pas hésiter à nous réinviter. Ouais, bah, moi je pense que sincèrement, là, au niveau du conseil général, il faut lancer l'appel. Hein. Merci en tout cas, encore une fois, bravo et à bientôt. Merci. Oh, my God.
Donc tu es Stéphanie Debriez et tu es responsable des événements à la ville de Carvin. Là franchement c'est carton plein là. Un défi réussi et mission accomplie puisqu'on avait espéré une présence de 4000 personnes au niveau du public et on les a largement doublés. Là on éclate les 20 000 personnes quoi. Ouais, non, je dirais peut-être pas ça, mais au moins les 10 000 atteints, je pense. Ouais, ouais, ouais. Des gens heureux, des familles qui attendaient que ça. On le voit sur les images et puis on est vraiment content. En tout cas, pour non seulement pour le festival, puisque là c'est vraiment le point d'orgue du festival. Ouais, hein, avec tout ce monde et puis pour les Carvinois qui peuvent profiter d'une superbe fête de la musique. Merci. Ouais. Merci encore à la municipalité. Et puis à l'année prochaine, j'espère. Ah c'est sûr même. Merci beaucoup.